Olivier Renaud, la chronique du jour, pour Radio Armex. Red Lézard, Le Havre, quatre albums qui font office de référence à Vraise. Pourquoi votre nom Red Lézard ? Ah, ça vient du début du groupe, en fait, où notre local de répète était juste à côté du fleuve Harfleur, la rivière Harfleur-Montfreuil qui s'appelle la Lézarde. Et puis, Red, rouge, c'est la couleur politique de la ville d'où on vient. Il en reste. Bien, ça fait déjà 20 ans que vous exercez musicalement, en fait, sur toutes les scènes de France aussi. Si je vous dis, j'imagine que vous connaissez très bien, Roberto Piazza. Le top pomme, c'est lui qui nous a mis les premiers coups de Santiago Fest, comme on dit, avec son guitariste, Olivier Durand. On est toujours en contact avec lui, on vient jouer avec nous quelques fois pour faire le bœuf à l'occasion de concerts de soutien. On est très heureux qu'il soit toujours derrière nous, il est toujours de très précieux conseils, toujours. En fait, c'est votre mentor. Exactement, lui et Olivier Durand, qui était à l'époque son guitariste et qui maintenant est le guitariste d'Eliott Murphy. Et voilà, ça c'est un vrai pote aussi. On est toujours donc dans cette scène musicale à Vraise, puisqu'on peut parler aussi des Dogs. Les Dogs, c'était sur Rouen, les Dogs, ma foi. C'était au Havre, on avait les Scamps. Alors c'est une erreur de ma part. Oui, attention, entre le Havre et Rouen, c'était une grande histoire. C'est une vraie bagarre. Vous êtes des vrais militants musicaux, c'est ce que j'ai pu constater, et des vrais militants donc de causes difficiles des fois. J'en ai pour preuve à Paris, pour des salariés de Fralib, c'est ça, à Marseille. Vous aviez fait un concert. Voilà, on a fait un concert. Notre soutien aux salariés de Fralib remonte à longtemps aussi, puisqu'à l'origine, il y avait une usine Lipton Fralib au Havre, qui en 1998 a fermé, avec la promesse pour les salariés de Fralib Le Havre d'aller sur Marseille pour faire un gros pôle. Les copains, on avait fait un concert de soutien à l'époque, en 1998, pour les soutenir, dans l'usine. Ils ont délocalisé quand même. Ils sont allés à Marseille tous, avec tout ce que ça entraîne, hein, la maison, la famille, les enfants, etc. Et puis là, on leur propose maintenant d'aller en Pologne pour 350 € SMIC polonais. Donc nous, on continue à les soutenir depuis toujours. On a été faire des concerts à Marseille. Ce sont des sacrés souvenirs aussi. On a été faire des concerts à Paris, à la Bourse du Travail, pour les soutenir. Et puis une manif, c'est vrai que ils nous ont fait jouer sur un camion plateau au milieu de la manifestation dans Paris, c'était extraordinaire. Et puis à cette occasion, Audrey Vernon qui nous a monté un petit clip vidéo sur une chanson qu'on a écrite pour les copains de Fralib qui s'appelle Univoleur, qui est en ligne sur notre site et qui va faire l'objet aussi d'un... Alors, il y a Daniel Mermet sur France Inter qui fait une émission sur les Fralib tout début octobre. Oui. Et notre morceau sera diffusé à cette occasion-là aussi. On est content que ça fasse du bruit, parce que c'est un des dossiers dont Arnaud Montebourg s'est saisi en tout premier. Le lendemain des élections, Olivier, qui est délégué syndical à Fralib, devait venir manger à la maison, et il nous a quittés pour aller voir Arnaud Montebourg, et il est venu faire un barbecue le soir même. Donc ça se passe comme ça. D'accord. Là, on a quand même cette couleur rouge qui apparaît à travers vos propos. C'est très bien, au contraire. Dites-moi, quels sont vos prochains concerts sans être dans une activité mouvementée? Et ça serait bien, d'ailleurs. Ah, là, on fait un break de fin d'année parce qu'on va enregistrer le cinquième album au Havre avec Michael Mailleux qui a un studio. Donc là, on vient de passer un mois et demi, deux mois à jouer pas mal. Et donc, ben, voilà, j'ai pas, à part deux, trois plans acoustiques sur le Havre pour s'entretenir, il n'y a pas de concert officiel pour l'instant. On bosse sur la pré-production, ouais. La production du nouvel album avec aussi Olivier Durand toujours. C'est un gros boulot de préparation parce que j'imagine, ouais. ça voilà, c'est un gros budget et on ne veut pas se planter, donc on prend un peu de temps pour ça. Bien, bah écoutez, je vous remercie pour toutes ces explications. J'espère vous retrouver sur toutes les scènes de France. Bien sûr. Et puis aussi dans d'autres lieux, qui sait, pour des préparations, des enregistrements. Alors je vous dis à vous, messieurs les Rouges Lézards, à bientôt. À bientôt, merci beaucoup et bonne continuation. À bientôt, au revoir.